ce que nous produisons, c'est la musique du cœur. On se souvient de l'année. Na famimbe anka folke minaina ambulu chaque instrument a son orateur, mais rien, tout était oral. Ça, c'est accompagné de musique, tout le temps. Les instruments traditionnels, je m'axe sur ça, je m'appuie sur ça, c'est ce qui fait moi-même. Le Mali a toujours conjugué avec sa tradition. Puisque le Mali, c'était la capitale de l'Empire mandingue depuis 7 siècles. Islamisi uni mo fugala unana mali kono chukodi ila ngida dzere nena urtitalla alghafil ewen dusir nagaiti demo artur nas ewen dusir nagaiti demna indagani yat kanza urnas iske bore ni kanka nashe ilmiziko ishibagaga. Si ces instruments-là ne sont pas là, nous avons tout perdu. Je ne sais pas ce qu'on doit expliquer sur notre passé. Parce que c'est cette musique-là même qui nous a permis de savoir ce que, de nous aider à vivre jusqu'à aujourd'hui. Il y a l'insécurité chez nous, on ne joue plus comme avant. Avant, on joue chaque soir, quand on veut, où on veut, mais maintenant, c'est plus comme avant. C'est un peu risquant. À travers la musique, on peut avoir la réveil. On va transmettre des messages de paix qui vont passer à tout le monde. Je dois m'assigner comme mission de sensibiliser les gens, de conscientiser la jeunesse, d'éveiller les consciences et de provoquer des réflexions. C'est-à-dire que dans la construction d'un État, d'une nation, chaque personne a son rôle à jouer. Ils ont leur rôle dans la gestion de la politique. Nous, la jeunesse, la seule chose qu'on veut, c'est vivre comme tout le monde. Vivre en paix, en liberté, être libre de tout faire ce qu'on veut, vivre comme tout le monde en fait, c'est tout.